Bien bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo très spéciale, c'est la vidéo setup des 100 abonnés. Aujourd'hui vous allez découvrir mon setup, là où je tourne mes vidéos, là où je fais le montage. Voilà, un petit peu tout ça. Donc là c'est vraiment une vidéo exprès pour vous montrer tous les composants qu'il y a sur mon bureau. Un peu tout ce bazar. Et si vous le souhaitez en commentaire, vous pouvez m'envoyer, tout simplement en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les montages, sur le logiciel en fait que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc il y a pas de souci si vous voulez, vous mettez en fait en commentaire si vous voulez ou pas faire une vidéo comme ça. Si vous voulez, vous mettez logiciel tout en majuscule attaché et comme ça, je vous ferai peut-être une vidéo dessus suivant le nombre de personnes qui disent en commentaire tout ça. Bref, aujourd'hui, nous allons faire la vidéo setup. C'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo setup. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que tous les produits sont en description parce que j'ai pas envie de vous dire toutes les références. On se retrouve à la fin de la vidéo pour conclure. Ciao. Donc, c'est parti, nous allons commencer à présenter un peu mon setup. Donc désolé pour vraiment la qualité de son. La qualité de son est complètement nulle, je sais. Mais bon, voilà, je filme avec mon portable. Donc c'est complètement dégueulasse. Mais bon, c'est pas nous allons commencer. Donc, premièrement, le siège. Le siège qui m'a fait actuellement 7 ans. Très bon siège pour éviter un peu le choc. Donc, il bouge un peu. Mais bon, avec un petit coussin que je mets sous mes fesses parce que chez moi j'aime bien être confortable un peu sur sur mon coussin, bref j'aime bien le confort. Un bon petit siège, bon petit truc. Donc je pense que nous allons passer à la partie son, qui est ici nous avons, j'ai mis un coup dans le téléphone. Ici nous avons une petite enceinte, je sais plus du tout ce que c'est comme marque. Je sais pas si elle a de la marque. Voilà, bon, bref. Une petite enceinte qui est très très bonne. Bonne basse, bon son correct et tout. Bref, le top du top. Ensuite, niveau son, voilà. J'ai un casque. Le casque, c'est un. Je sais plus trop, c'est un rig Plantronics. Avec le micro intégré. Donc comme je disais, voilà mon casque, j'ai un petit problème de téléphone, bref. Donc voilà, petit casque, très bonne basse, il y a beaucoup de basse d'ailleurs, le son est assez correct, mais bon, je m'en plains pas, c'est très bon casque. 70€ je crois, plus le petit adaptateur qui est ici, qui lui aussi correct, très très bien, moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà, niveau son, on n'a pas fini. Il y a aussi un autre casque. Celui-là, vous l'avez déjà montré. Bah oui, je vous avais déjà fait une vidéo des micros dessus. Donc, voilà, toujours le même, hein, le Behringer C1. J'ai réussi d'ailleurs à le faire fonctionner, donc je suis super content. Avec sa perche, sa perche pour le micro, un bras, c'est très très bien. Je peux aller un peu partout avec. Le micro, quand je ne le sers pas, je le range. Parce que ça, je sais pas, ça me gêne. Quand je suis comme ça, j'arrive pas à bien accéder à mon clavier. Donc bon, je range souvent. Ensuite, nous avons aussi un beau casque qui va faire notre premier. Philips, c'était mon premier casque que j'utilisais pour écouter la musique ou d'autres choses. Voilà. Donc aussi, là aussi, nous avons pas le stylo, mais niveau son, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un adaptateur pour faire fonctionner le Behringer. En gros, c'est un petit canot, c'est avec des canals, je sais pas comment. En gros, c'est ça. Ce câble-là, il est relié au PC. Ce câble-là, il est relié au micro. Donc, voilà, c'est pour faire passer jusqu'au PC. Et donc, ça va jusqu'ici. C'est branché jusqu'ici. Voilà. Bon, je vous apprends rien. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je pense que nous allons passer. Je crois qu'on a fini la partie de son. Donc, maintenant, je pense qu'on va passer au périphérique. Périphérique, clavier. Donc c'est un Arelli, je l'ai acheté, c'est un pote qui me l'a passé, c'est Aaron Man, sa chaîne est en description. Il n'a pas fait encore de vidéo, mais bon bref, je te fais la petite pub Aaron Man si tu passes dans cette vidéo. Je te fais la petite pub, ta chaîne est en description. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc c'est les rétro éclairés rouge, très bien, il n'est pas mécanique, ce qui se passe un peu sur le bruit, parce que les mécaniques fait beaucoup de bruit et. Encore sur ce micro, ça va. Parce qu'il fait pas.
n'enregistre pas les autres bruits derrière. Ensuite, prochain périphérique, c'est la Logitech. Vous avez déjà fait une vidéo dessus. Logitech G402 Hyperion Fury, il me semble. Très très bonne souris, rétro éclairé bleu, avec des petits macros. Voilà. Attends, je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 8, 12, 12, 16, je sais plus trop. Je ne saurais pas vous dire à ce sujet-là. Ensuite, niveau périphérique, il me semble que c'est bon. Donc, il y a maintenant le tapis de souris Technet qui est pas très long, il fait 25 cm, je crois. Donc, je voulais pas prendre un truc, si vous savez, des trucs qui sont hyper longs. Surtout que mon bureau, en fait, il est un peu. C'est un angle. Donc, du coup, je pouvais pas. Voilà. Hein. Donc, voilà, niveau périphérique, je pense qu'on est bon. Puis voilà. Donc, maintenant, on va passer un petit peu à la grosse partie. La partie d'écran. Voilà. Donc, premier écran, c'est un LG. Les références, tout ça, ça sera dans. Je pense que je les mettrai. Vous savez, petites références comme ça et tout là. Ça, je mettrai dans le. Je les mettrai dans la description. Je sais juste que les deux c'est des écrans LG. Bon, lui il est un peu carré parce que. Ouais, parce que déjà j'ai de la chance parce que j'ai eu les deux là, je les ai eu gratuits. Donc j'ai de la chance. Et celui-là aussi, je l'ai gratuit. Donc j'ai tout eu gratuit. Donc bon, c'est plutôt top. Je m'en plains pas du tout. Ils fonctionnent eux deux très très bien. Voilà. Bon. Ensuite, niveau trépied. Trépied, j'ai un. Comment on appelle ça là. La marque, attendez. La marque, elle est ici. Donc c'est un. Poso plus 31, enfin bref. Trépied qui est assez vieux, mais j'utilise beaucoup dans ma vidéo. Donc là, vous voyez, il y a la caméra. Donc moi, je suis là, ici. Donc voilà. Parfait, parfait à ce niveau-là. Il me semble qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui est sur le bureau. Voilà, un peu de câble ici que j'ai réussi. Enfin, que j'essaie à chaque fois de faire tenir sur ce petit truc. Voilà. C'est un petit peu de câble management comme ça. Hein. Bon, à part pour le clavier, lui, il part un peu par là-bas. J'ai fait des petits trous d'ailleurs sur le bureau pour que les câbles passent. Aussi, j'ai ma petite. Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, c'est des spots, je sais pas, pour faire de la lumière. Hein. Pour mettre un peu l'ambiance. Et donc, c'est des. Attendez, c'est des Litworks. Voilà, donc là, il y a un peu pour la lumière. Oh putain, le truc qui va réussir à tomber. Donc là en gros on a pour le speed de la lumière pour un peu si on veut que la lumière tourne un peu plus vite. Musique pour augmenter. Ah oui, en gros il y a un micro qui est là. En gros il enregistre les sons. Et en fonction des sons, la lumière en fait elle va bouger. Donc là c'est pour allumer. Et ça éteint normalement. Voilà. Je peux aussi présenter ceci. Il me semble que je n'avais pas présenté, ça fait partie des sons. Ça, donc c'est un truc pour mon micro, enfin pour mon ça. Très très bien, là c'est pour se mute, là c'est pour augmenter, là on a le son de Skype, là on a le son du PC, donc, moi j'équilibre entre les deux pour avoir les deux sons en même temps. Donc là c'est pour le téléphone, dès qu'on bascule comme ça, donc là c'est pour PC, là c'est pour téléphone. Quand le téléphone il se branche sur un câble qui est ici, et tu peux en fait écouter à la fois ton son du téléphone, et... Le son de ton PC. Donc, super cool. Là t'as le son. Je pense que c'est un peu la même chose. Bon bref voilà. Là, c'est pour appeler, raccrocher. Là c'est pour je sais pas trop quoi. Bon voilà. Moi je mets souvent pas le son de mon casque, mais le son de l'enceinte. Je pense que je trouve ça mieux. Je sais pas, j'écoute mieux et tout. Bon, maintenant il est temps de passer à la configuration de ce PC. Je m'allonge. Bien correctement, donc voici le PC. Donc c'est un PC qui est de base très très vieux, enfin vieux non, donc c'est un Dell Optilex 380, donc c'est un Dell avec modifié un petit peu de trucs à l'intérieur. J'ai mis un SSD qui est planqué un peu là dedans, donc je peux pas trop vous montrer, donc là c'est le disque dur. Dessus, donc disque dur de 500 gigas, enfin, non, beaucoup moins, je crois. 200 ou je sais pas trop. L'alimentation de je ne sais combien de watts, je sais pas si c'est marqué dessus. C'est peut-être pas marqué dessus.
Nous avons le processeur, c'est un Intel Pentium. C'est un Intel Pentium avec le tout basique. Nous avons 6Go RAM. Non, les RAM ils sont là. Nous avons. Parce qu'il y a un câble qui gêne. Donc je ne peux pas l'enlever. Nous avons 6Go RAM dans ce PC, ce qui nous suffit amplement. Puis ensuite la carte graphique, bon elle est pas encore là. C'est juste qu'il y a une carte graphique qui est intégrée dans la carte mère. Enfin, je sais pas comment ça marche après. Je pense qu'elle est là, enfin, je sais pas trop où elle est en fait. Il y a tellement de trucs à faire, tu sais pas du tout où c'est. Donc voilà, puis bon après voilà, il y a tous les câbles derrière. Bon c'est un peu le bazar dans les câbles. Parce que là en fait j'ai sorti un peu le PC pour le montrer. Mais en fait typiquement tout ça là, c'est planqué là. Donc là c'est le bazar, donc vous voyez pas très grand chose. Mais bon voilà. C'est un peu bazar niveau câble. Mais bon. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Je sais pas montrer ma caméra. Hop. Ma caméra, on m'a beaucoup demandé. Bonjour. On m'a beaucoup demandé. Attendez. Le truc qui galère à faire mes autres points. C'est une caméra, c'est la Sony Lens. Beaucoup de gens la connaissent, je sais pas trop si. Enfin, la STV aussi comme caméra. Donc, voilà, c'est une bonne caméra. Ah, mince. Donc, voilà. Et puis, bon, là, je pense qu'on fait vraiment le tour de tout. Voilà. Et oui. Mon filtre anti-pop. C'est un filtre anti-pop qui va avec mon micro Neewer ou le bien. Enfin, de base, il va avec le micro Neewer. Donc, il s'accroche au truc et du coup, ça va. Enfin, bref. Voilà. Et puis voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour pour. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Donc. Bon, ben voilà, j'espère que la vidéo setup vous aura plu. C'est les 100 abos, je vous remercie encore beaucoup. Ça fait plaisir. La vidéo a beaucoup de retard, je m'en excuse. Parce que j'en avais déjà tourné une, mais bon, j'ai dû en retourner une. Parce que j'avais changé de PC et je pouvais pas faire le. Et vu. Enfin, je pouvais pas faire le montage avec l'autre PC. Et vu que j'ai perdu toutes les données, j'ai dû tout récupérer. Donc, du coup, j'avais plus la vidéo setup. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.